Bonjour les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire la vidéo du Quintet pour demain. Alors comme d'habitude, dédicace à tous mes abonnés, tous les pays du monde entier, tous ceux qui ont mis des pouces, merci beaucoup. Les bons messages, merci. Voilà, ça fait très plaisir. On en a perdu quelques-uns, mais c'est pas grave, hein. Comme on dit, il vaut mieux être petite communauté qu'en grand nombre et d'avoir que des honnêtes. Alors, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le quintet du lundi 24 juillet. C'était à Compiègne, réunion en course 8, 1600 mètres. Départ a eu lieu à 18h. Il y avait 15 partants car le 14 a été déclaré non partant. Et c'était un handicap divisé classe 2. Donc, du coup, dans ma sélection, je vous ai mis le 14, donc il ne restait plus que 5. J'en avais mis un au cas où dans les commentaires. Mais on a quand même un beau 2 sur 4, comme je dis souvent, de jouer avec les 2 sur 4 ou des bases de multi. Là, il y avait les bases du multi 6-4. Il y avait le 2 sur 4, 6-4. Ma dernière minute que j'avais mis le 6 est là, pour les abonnés. Voilà, après c'est dommage, car mon canon partant le 10 arrive premier. Et j'avais, dans le petit journal, il y avait les deux bonnes bases du multi en 5, avec le 10 derrière, nous manquait que ce 12. Vraiment dommage. Pour demain, quintet du mardi 25 juillet, ça sera à Dieppe, réunion en course 8, toujours à 18h, 1800 mètres. Il n'y aura que 14 partants car le 1 et le 5 ont été déclarés non partants. Et ça sera un handicap première épreuve, classe 2. Alors, mes 6 chevaux. Alors, je vous ai mis le 15, Looking at Me, de Tony Picon. Le 9, Grand Balcon, de Théo Bachelot. Le 13, Gaylor Seniora de Maxime Guyon. Le 6, Tolvast de Christophe Soumillon. Le 12, Everio de Yoritz Mendizabal, mon jockey préféré. Et le 16, je vous ai mis Retla Spirit de Christian Desmureaux. Donc je répète mes 6 chevaux pour le quintet de demain. Le 15, le 9, le 13, le 6. Le 12 et le 16. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. Certes, c'est qu'en 6 chevaux, c'est beaucoup plus dur. Mais comme je vous ai dit, hein, au plat, il faut jouer les multi et 2 sur 4. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, devraient connaître par cœur. Évitez de faire des quintés, des tiercés. Voilà, après c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à demain.